Et plop les gens, on est de retour vu que je commence à en avoir un peu marre du col étroit où il y a 6 tentatives, 6 échecs. Après la dernière tentative, on a réussi à horde d'infecter, j'ai pas redémarré le jeu, je peux toujours cliquer dessus apparemment. Du coup j'ai hésité à changer un petit peu entre Cap Tempête, où il va falloir résister à toutes les hordes d'infectés et avoir 1500 colons, ou les terres du géant où on a que 1000 colons à avoir, mais il faut détruire tous les infectés. Et avec un nom pareil, si vous connaissez un peu le jeu, je pense que voilà, vous savez ce qu'il risque d'y avoir derrière comme première rencontre. En tout cas pour moi, j'en ai jamais affronté. L'occupation de ces terres froides est d'une importance vitale pour prendre le contrôle complet des montagnes du nord et bloquer la voie aux infectés d'au-delà de la chaîne de montagnes. Nos éclaireurs ont détecté un géant infecté. Ces créatures se sont développées au-delà de l'imagination par un effet inconnu de l'infection, comme s'il s'agissait d'une mutation. Notre objectif est d'abattre le géant qui erre dans le nord-est et de nous débarrasser de tout les infectés de la région. Faites extrêmement attention avec le géant si vous l'attirez sur la colonie avant d'avoir une grande armée, cela sera la fin pour vous. Avec le texte qui te dit que si tu attires le géant, c'est la merde. Ouais, ça va être fun. Donc nous avons température très froide avec énergie requise plus 30%. Donc il va falloir faire encore plus de moulins que d'habitude. Et on va voir. Et voici la bête. On peut voir des humains à terre à côté. Enfin, des restes de squelettes. On peut voir la taille qu'il fait. Infecté géant. 11 000 PV. Le corps corrompu de cet infecté a excessivement gonflé. Sa peau épaisse le rend quasiment invulnérable aux armes de petit calibre. Ça tombe bien, j'ai pas de sniper ou de gros calibre. Je pense que les flèches c'est du petit calibre. Et la mitrailleuse du soldier, c'est pas beaucoup plus gros comme calibre. Ouais. Alors. On va mettre les maisons de l'autre côté. Ah, peut-être que là, il n'y a rien. Cool. Non plus, il n'y a rien, c'est cool. Eux, ils sont déjà attirés par le soldier. Et toi, faudrait que tu ailles là. C'est bon. Ah oui, et vous attaquez en priorité les dangereux. Et il va falloir que j'ai une scierie très vite. Je sais pas du tout. Oui, bah oui, et ça aussi. Vu que c'est une carte que j'ai jamais faite, et celle-là par contre j'ai pas du tout prêté attention quand j'ai vu des streams à moitié dessus. Je sais pas du tout où est la pierre. Mais genre 0 0 0 idée. Et la pierre, ça nous permet d'avoir des casernes et de faire du coup d'autres unités après.
Donc il faut que... Là, là, il y en a. Donc il faut que j'aille la trouver. Est-ce qu'on pourrait... Je pense qu'on pourra pas atteindre cet endroit-là. On va mettre ici pour essayer d'atteindre jusqu'ici au cas où. On va juste attendre que nos soldats dégagent le passage. Ça se passe bien de partout. Il va nous falloir. J'aimerais pas trop de pas trop utiliser la partie verte là, parce que je pense que c'est la partie où les fermes pourront fonctionner. Donc je vais pas mettre des maisons ici, je vais essayer de les mettre là-haut. Soldat de base à 35 PV, ouais déjà. 35 PV ça prend 3 tirs de pistolet, 2 si on a un vétéran. Alors 11 000 PV. Je pense que ça va nous prendre un peu de temps. Là. Là. Ouais, c'est ça, c'est plutôt sympa, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas de horde, ouais, il n'y a pas marqué horde dans X jour. Le but de la carte, c'est vraiment... T'arrives dans un endroit, dans une enclave, il faut tuer tous les zombies. Sauf qu'il y a petit papa zombie qui est là et qui compte dans l'émission. J'ai plus de bouffe, j'ai plus de bouffe. Là, je pourrais pas construire. En vrai, si je construis là, potentiellement, je peux mettre ma ferme ici, là, mon truc. Moi, ce que je veux, c'est de la pierre. Sans pierre, je peux rien faire, donc... Limite, lui, en fait, faudrait qu'il arrête. Alors ici, on peut en avoir 5. Là, on est tout en haut, 3. On s'arrête ici.
On peut avoir 5, là on peut avoir 5 aussi. Et si je peux avoir 4 et 5, ouais, ça va être ça et là. Et on aurait besoin de ça aussi, il va nous falloir de l'énergie, j'avais oublié qu'il nous faudra plus d'énergie. Alors hop. Ça coûte quoi? Ça coûte de l'or. Oula. Laquelle autre? Elle est devenue vétéran. Et j'ai... Punaise. J'avais pas vu qu'ils ont détruit la carte, la mine du coup. Toi aussi t'es devenu vétéran. Nourriture, oui. Là. Et on va avoir besoin de... d'énergie, d'énergie. Mais là, il faut qu'on recherche les fermes parce que avant de réussir à s'étendre, genre ici, si ça suffit. Il va nous falloir une caserne. Ça, ce serait cool d'avoir une deuxième mine. J'essaie de pas tuer tous les zombies pour que les prochains soldats aident les zombies à tuer pour avoir de l'XP et les level up avant d'attaquer le monsieur. Je sais pas si ça fonctionnera bien. Le nombre de secondes pour le tuer comme ça. Ouais. Alors il fait 26 de dégâts d'attaque avec 2,5 attaques par seconde. Combien il me faut de soldiers pour... Oh non. Bah là. Ouais là. Mettre une deuxième là, une troisième là peut-être. Après je fais un marché genre ici.
mais il faut qu'ici je remplisse de ferme. Alors, est-ce qu'ici je peux avoir un 20, 26, je crois que j'ai vu. Deux, ça me paraît pas si mal. 56, ouais, 62 là quoi. En fait, c'est combien je peux le caler ici? Le 62, et puis là, je ferai tac 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 plutôt. 25 attaques avec 2,5 attaques par seconde, donc en gros 60 dégâts par seconde, je peux bannir temporairement quelqu'un. Si par hasard je bannis, c'est vraiment la personne qui t'aide depuis tout à l'heure. Pas tombe mal. Hein. 183 soldats vétérans. Ouais. C'est pas mal pour tuer, pour le one shot avec 183 vétérans. J'arrive pas à me rendre compte de la taille du bloc. Est-ce que ça ferait genre tout ça sur l'écran, 183 soldats vétérans? Mais là ouais, maintenant je peux faire quelques rangers pour que ce soit elle qui gagne l'XP. Mais il me faudrait des soldats. Ah, j'ai pas envie de ranger mes affaires pour partir. Il fait bon dans ma chambre. Tout à l'heure, tu as réussi à avoir une trentaine de guerriers en comptant les rangers. On va dire que tu vas prendre le temps de tous les transformer en soldats. Ouais. Et en plus, faut qu'il y ait l'XP dispo sur la carte, quoi. On va dire qu'on va pas se baser que sur le fait d'avoir seulement des vétérans, mais... D'ailleurs, j'avais pas... Si, toi, t'as pas fini, d'accord. Il va me falloir plus d'énergie, je pense. Hop. Alors, 56... et 44, c'est pas mal ça. Ah, 48, ouais, mais 48 c'est collé, je pense qu'il voudra pas. 44, 48, ouais. Voilà, comme ça on aura fait toutes les recherches. 8 travailleurs, 32 bois, 42 pierres. Par exemple. Allez par là vous deux. Et vous deux par là. Oui d'ailleurs, attaquer les unités les plus fortes. Ok, donc ça, j'en ai plus besoin. J'ai déjà recherché toutes les technologies, c'était plutôt rapide. Alors, ouais. Voilà.
si on peut faire des chalets direct, mais c'est compliqué, les chalets, il faut du bois. Salle de terrain, il te faut 6 secondes pour le tuer, tendu, mais ça se fait. Oh ouais, faut pas qu'il meure, hein. Je suis pas sûr que cet ennemi il me one-shot pas un groupe d'unités par groupe d'unités. Et ça, là, à quel moment il faut upgrade ou pas, je sais jamais. Surtout que là, on parle de... Il va nous falloir plus d'énergie. Donc les maisons, elles prennent 4 d'énergie et au lieu d'un, les chalets. Il a l'air d'avoir pas mal de choc points sur la carte, ça va le faire. Ouais, je sais pas, on va voir. De toute façon, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de mur sur cette carte-là, par contre. Oula. Mais on a surtout besoin de se débarrasser du gros et que le gros, une fois engagé, c'est la mouise. On va faire une deuxième caserne. Oui, ici je voulais faire 17, c'est bien. Bon, ça vaut peut-être pas le coup du coup, mais bon, c'est pas grave. Ok, là ça a l'air d'être la fin. N'empêche qu'on trouve pas de père là. Oh punaise. Ça, c'est de la nourriture. Ouais. Ouais, non, là ça commence à être trop pour 3 archers, 3 rangers. Si c'est bon. À peu près. Où est-ce que j'ai des arbres les plus
Oh, je sais pas. Cela, hein. On peut s'étendre des deux côtés, je pense. À l'ordre de tout le monde, il faut viser les plus dangereux. D'ailleurs, là, où est-ce que ça paraît pas mal? C'est le bord de la carte, d'accord. Il y a quand même possibilité d'arrivage de zombies à l'infini par ici. Si c'est vraiment un bord de carte. Allez. Elle tire sur quelqu'un qui était invisible. Je sais pas où elle meurt. Là. Et qu'elle est devenue vétéran, toi. Vétéran. What? You again. Roger that. Gotcha. Roger that. Yes. Oh, here we go again. J'ai plus de travailleurs. Il va falloir faire des chalets. J'ai plus d'énergie. Bonus. Ouais, tout à l'heure on a fait les calculs pour du
Pour des soldats, hein. Pour le moment, j'ai pas un, enfin j'ai qu'un seul soldat. Oh non, elles sont mortes. On va quand même peut-être se mettre des murs ah, par exemple. Et une scierie, on peut pas. Tu es vétéran, tu te mets là. Tu fais des allers-retours. Là j'ai 35 rangers et un soldat, 37 rangers et un soldat. Il est en train de se déplacer où lui? Vous avancez un jour ou pas? Non, pas vraiment. Alors, un ranger vétéran, c'est non, c'est 12 de dégâts d'attaque deux fois par seconde. Alors que le soldier, c'était 26, 2,5 fois. Mais tout ce que je sais, c'est que les comptes n'y sont pas, on va pas le faire, ça va pas y arriver. Il faut des travailleurs. Oh mais si je le déclenche avant de le vouloir le déclencher, je suis... c'est KO. Hein. C'est game over si je le déclenche sans voir le déclencher. Tu pourrais arrêter d'avancer avec tes rangers pour garder des zombies à tuer soldats. Ouais, ouais, aussi. Maintenant que je sais où est le fer. Maintenant que je sais où est le fer, je pourrais focus sur le fer et gérer après. Plus de bois, plus de bois.
Sauf que les solaires risquent bien d'attirer le géant s'ils sont un peu trop près. Ouais. Et je peux peut-être les utiliser en bas, là, les soldats. Oh, punaise. Non, j'ai l'impression qu'il y a quand même un afflux qui arrive. Alors la mine. 4, 3. Je peux pas faire mieux que 4. Donc si je peux faire 3 et 3, c'est mieux. 3 et 2. Je peux faire 5. Que ça m'embête pas de faire 5 plutôt qu'une fois 4. Vu le peu de mine que j'ai l'air d'avoir, non. Mieux que je fasse 5. A plus Poslo. Faut que je retourne à mon unité. Ouais, il dit comme ça. En tout cas, fais ce que t'as à faire. On va les mettre en patrouille comme ça, elle. On va s'en rajouter deux là-haut et... Ça sent trop la mission, ouais, bon, elle est pas trop dure. C'est juste pour savoir comment tu vas te débrouiller contre le gros méchant. Ouais, la nourriture, ça va en fait. Grâce aux fermes, ça va. Par contre, ce qui va moins, c'est le bois, c'est le... surtout qui va pas. Un 12 là en fait, c'est bien. L'énergie aussi qui va pas de ouf. Si je vais pouvoir avoir du bois, faut que... pas les soldats, je vais les faire venir ici en fait. J'ai besoin d'or de travailleurs, d'accord. J'ai besoin d'or. J'avais 2000 tout à l'heure. Voilà.
Ok, ça marche. À la prochaine, le signe noir. Allez, dès que j'en ai 6, on va dire. Il va me falloir de l'énergie, de l'énergie. La nourriture, ça a l'air d'aller. Juste pour voir si je me souviens jamais, je pense pas. Le bâtiment avec une demi-case, il est intéressant ou pas. Au pire, je pourrais mettre un autre marché, enfin d'autres marchés. De l'or. Et pour avoir de l'or, il faut des bâtiments, des maisons. Pour avoir des maisons, il faut de l'or. Bref. Oh oh. You again. I hope you're not wasting my time. Oh, more orders. Great. Okay, a new task. Are you sure? Okay. Are there other units to bother? Yes. What? You are gonna pay me for this, right? A new task. What? Let me put an arrow in his head. Gotcha. Yes. Great. Reporting for duty. Are you sure? Roger that. Okay. You called that. Reporting for duty. Are you sure? Aren't there other units to bother? Oh, here we go again. Yes. Great. Yes. Yeah. Orders, sir. All right.
Alors, faut améliorer plus de bois. Non, en vrai, plus de bois, c'est ça va. Plus de bois, ça va. C'est plus d'or qu'il faut. Voilà. Juste celui là. Voilà, ça devrait le faire. En fait, il faut plus de bois juste parce que on produit trop d'unités. Hein. Ouais. Parce que je produis trop d'unités parce que je dépense beaucoup de bois. Oula, oula. Et encore plus d'énergie. Là, là. C'est tout. Ouais, la maison qui dépasse n'est pas alimentée. Il faut de l'énergie. Les prioritaires en première, les cibles prioritaires en première. Porte, porte, c'est toujours plus prioritaire que les plus proches.
Okay. Reporting for duty. Train has arrived at the station. What do you want now? This better be good. Roger that. Gotcha. What? Great. Okay. You are gonna pay me for this, right? Gotcha. Hop là, vous deux. Last night was amazing. Et là, et vous faites ça. Oh, de l'énergie gratuite qui était juste là. C'était par là. Je pense qu'on pourra mettre des murs ici. Qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin de travailleurs, d'accord. Pour éviter la notification, attention, building completed. C'est limite mieux de faire les bâtiments en pause. Comme ça, quand ils se font tous d'un coup, seule notification. 60, 64, 64, 44, 42, 44. J'ai l'impression que j'ai trop de soldats d'un coup, du coup il n'y en a aucun qui développe, genre 10%, 12%, 30%. Il faudrait limite que j'arrête de produire des soldats ou que les nouveaux n'aillent pas au combat pour que les plus vieux deviennent vétérans. On peut faire ça. Si toi faut absolument que tu y ailles, hein. Toi t'es à zéro. Toi il faut absolument que tu y ailles. Toi t'es à zéro. Il va nous falloir du bois. Hop, toi tu viens là. Commander.
Tout se passe à peu près correctement. J'ai déjà plus d'énergie. J'essaie d'en... Ah mince. 11. J'essaie d'envoyer devant ceux qui sont pas très loin. Ceux que je peux repérer de pas très loin. On va dire les moins de 10%. Désolé, mais peu de chance que vous deveniez vétéran un jour. Là, il y a un 11%, je pense que... Bah tiens, il y a une autre ferme de... Une mine de fer, je veux dire. Ferme de fer, ça marche pas mal aussi. De bois, je peux plus faire de bâtiment. 13. Spécialement réservé de la place pour le marché. J'aurais dû. Là, c'est pas mal là. Là, ça sera bien. Il faut quoi? On peut pas le mettre là. Pas d'énergie dans la zone. Vous montez de l'énergie ici. Vous montez de l'énergie là aussi. Oh, par contre, tu arrêtes de te battre. Devrait le faire, ils vont gagner plein d'XP du coup. Toi aussi, tu arrêtes de te battre. Toi aussi. C'est trop de zombies quand même pour eux. Yep.
service. Orders, sir? All right. Understood. Great idea, sir. Do you need me? Juste comme ça. Orders, sir. Alors, de la thune. Hein. J'ai de la thune. On a dit qu'on mettait le marché par là. Et qu'après, on faisait monter toutes les maisons qu'on peut. Any orders? On your orders. Orders, sir. Let's go. All right. Building completed. Tell me. Commander? That will be easy. Ah, je commence à en avoir un petit nombre quand même. On est 10, 11. Le désavantage de faire ça, c'est que c'est un peu lent. C'est un peu lent et ça fait du micromanagement pour pas grand chose. Peut-être. Mais normalement, si, normalement ça nous... Ça devrait accélérer la vitesse de prise d'XP. De nos unités. D'ailleurs, c'est quoi? J'ai 67 jours max. Ouais, j'en suis à la moitié. Population de la colonie 1000, j'en suis à 800. Do you need me? Units under attack. Orders, sir. All right. Our buildings are being attacked. Tell me. Let's go. Là, j'ai quand même un chemin de vétéran qui arrive petit à petit en mode... Cet escadron, vu qu'il est assez petit et qu'il attire quand même pas mal de zombies, bah chacun individuellement prend pas mal d'XP. Le défaut, c'est que la troupette diminue en taille considérablement. C'est pas un défaut, faut juste la ravitailler. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin de... Jean. On a plus ou moins besoin de bois, mais c'est juste parce que... voilà. Tant que les gens arrivent. Combien j'en ai une petite vingtaine maintenant. Oh oui. Il nous faut cette énergie. Il devrait s'en sortir. Of course, my commander.
orders, sir. Let's go. All the way. Understood. Bah, normalement, eux devraient prendre l'XP, c'est ce qui. Any orders? Just tell me what to do. On your reporting for duty. Ça qui sont là, on avait dit qu'ici c'était intéressant, en plus j'ai oublié. Colonie se fait attaquer ici, d'accord, faut que toi t'avances un petit peu. On pourrait dire qu'on a pas mal dégraissé ce groupe là, il y a quelques morts. Mais il y a surtout, on le voit enfin, il y a surtout un bon gros groupe qui s'est formé ici. Est-ce qu'on peut venir avancer là ? Let's go. Come on. Report for duty, sir. On va quand même mettre des murs, on sait jamais, mais. Normalement, ça devrait aller. Vous visiez tous, oui, c'est bon. C'est là où, en gagnant 100 avec un stock de 50, c'est là où j'ai vraiment besoin. J'aurais vraiment eu besoin de d'un entrepôt. Ouais, 12.
Alors toi, toi et toi. Tu devrais t'en sortir et tu devrais même les rejoindre ici. Voilà. Je sais pas s'il faut que je continue de faire des soldats ou pas. Oula, il y a une petite chaîne. Peut-être pas autant, mais on va prendre un petit groupe. On va dire à qui on va dire de venir ici. Eux sont en train de venir. Qu'on était en train d'avoir besoin de nourriture. C'était trop affaibli. On en est à 35 sur 92 soldats vétérans. Ici aussi, ouais, ici ça a l'air bon. Là. Voilà. On va remonter. Hop, hop. Je sais même pas où est ma troupette d'armée ici, ici. Avec un vétéran. Bon bah je crois que c'est bon. Il ne nous reste plus que ceux qui sont...
que ceux qui sont là-bas, donc en fait j'ai pas envie d'attaquer. Alors, 5, 3, ouais, de toute façon, on est beaucoup trop, c'est juste au cas où. Là, si je voulais de l'or en plus, je pourrais en avoir. Ouais. Quatorze. Allez, le train. Bah, je pense qu'on va pouvoir... dire à tout le monde de venir. Alors vu que les soldats je les ai bien séparés, je vais les garder séparés. Les archers, je vais leur dire de venir ici aussi. Hop, sauf vous qui venez là. Si jamais j'ai pris une archère, voilà. Oh putain! C'était pas prévu comme ça! C'était pas prévu de la tirer comme ça! Wow, facile en fait. C'était pas prévu comme ça, mais ça a l'air d'avoir marché. Tueur de géant niveau 1. Tuer un géant infecté. Après, il y a le tueur de géant niveau 2. Tuer deux géants infectés sur la même carte. Ouais. Ok, donc il y a un infecté quelque part qui est planqué. Bon, ça se fait.
Comment ça se fait que j'ai pas la mission? C'était quoi la mission? Détruisez tous les infectés. J'en étais sûr. Ça aurait pu être plus ou moins climactique, c'est ça qu'on dit. Voilà, c'est qu'il y avait un qui était planqué là-haut. Mais non, il fallait qu'il y en ait un qui soit planqué quelque part, que j'ai pas eu. Félicitations, vous avez établi une colonie prospère et ainsi étendu l'influence et la puissance de l'Empire. Là que je l'ai... Ah, ça me dit quelque chose encore. Difficulté 3. Là, il n'y a que 3000 infectés, mais... plutôt rapide, fort. Et des normaux, mais pas lents. Donc, ouais. C'est pas le... Il n'y a pas autant que la Horde du Sud, mais... Elle va être peut-être plus compliquée. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. Sur cette victoire, premier coup, la Terre du Géant. Avec des tas de soldats inexpérimentés qui sont morts en première ligne en attendant que l'armée soit prête. Alors qu'à la base, ils étaient censés attendre un peu avant d'aggro que tout le monde soit là, quoi. Mais non. Ils ont aggro trop tôt. Ce n'est pas trop grave. C'est dommage, c'est tout. J'espère que l'épisode vous aura plu encore une fois. Et je vous dis à bientôt.